Hey, salut la famille. Ouais, tu vois ma tronche en gros plan, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour filmer sans que tu subisses le vent. Une espèce de vent énorme ce matin. Enfin, un vent énorme. Il y a un bon coup de vent, quoi, comme ils avaient annoncé dans l'ouest. Mais je vais rouler quand même. Donc je vais essayer de faire ma boucle à l'envers, enfin dans le sens contraire que je fais d'habitude. Je devrais avoir le vent dans le dos au retour comme ça. Ouais. Autrement, je vais aller chercher un peu les terres, je vois. Donc je vais t'emmener avec moi encore une fois. Ce sera une petite vidéo courte. Ouais, tu vois le trou de mon nez, hein, avec les poivoiles. Allez, c'est parti. De la mer, plus ça souffle, on devrait être à l'abri un petit peu. Je vais pouvoir parler. Bon, je suis un peu embêté. Au boulot, je me suis coupé sur les flancs, enfin, sur la main, quoi. Pas grand chose, mais juste ce qu'il faut pour me gêner. Tant que le pot colle. Donc c'est un peu gênant sur une poignée tournante. On va essayer. Je vais faire la grande boucle. Je serais curieux de savoir si le genêt a déjà débordé là-bas. Et puis voilà quoi. C'est pas devant, il fait bien chaud. Avec les feuilles et les branches, ça glisse bien. Mais ah, on va mouiller les nouvelles chaussures. Bon, tout ça. Putain, puis c'est gelé. Enfin, tout ça pour dire que du coup c'est la première sortie avec mes nouvelles chaussures. Puis mes nouvelles pédales. Donc salut mon chat. Je t'invite à aller voir. J'ai pris des Shimano XC3, quoi, du bon milieu de gamme, quoi.
Elles sont légères, le système de lassage est vraiment top. Je te montrerai à la fin de la vidéo. Tu cliques, tu tournes, tu décliques, ça se desserre, enfin c'est génial quoi. Il n'y a pas les problèmes de scratch. Puis quand tu roules par tous les temps, les scratchs ils finissent toujours par faire chier. Après les espèces d'attaches plastiques comme j'avais sur mes anciennes chaussures, du coup c'est pas trop mal, mais enfin si c'est bien, mais ah, j'ai les pieds trempés maintenant, bien gelé l'eau en plus là-bas. Si je devais dire un inconvénient sur mes anciennes chaussures, c'est moins précis les clics là que là les petites molettes. Bon, elles sont neuves donc j'ai pas trouvé d'inconvénient pour l'instant, heureusement, mais c'est la première fois que j'ai des chaussures avec ce système. Et bah c'est pas mal, c'est vraiment précis, je pense, enfin je trouve. Et ouais, c'est vraiment précis parce que selon t'as des chaussettes d'hiver ou des chaussettes d'été, j'espère vraiment que tu m'entends, hein, parce que je me répéterai pas. Ouais, selon que t'as des chaussettes d'hiver ou d'été, tu les serres différemment. Donc avec ce genre de système, c'est beaucoup plus simple qu'avec les scratchs ou les espèces de, je sais pas comment ils appellent ça, de clics. Bonjour. Et du coup ouais, c'est plus simple. Ah, du vent, ça me pousse sur le côté. Du front de mer hein, donc je vais m'en prendre plein la figure. Oh merde, tu vois la caméra? Bien froide avec le vent plein face, ça c'est bon ça. Oh. Ah, c'est des micros averses quoi. Oh, tant mieux hein. Dans un sens. Caméra.
la boucle. La boucle va être bouclée. Ouais, les vélos, ça craint rien de toute façon. Je disais pas, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. C'est fini, quoi. Bon, il n'y avait pas grand chose d'intéressant à montrer. Enfin, d'intéressant. Si, plein de choses, mais c'était beaucoup de roulant. Hein. Aujourd'hui, je vais faire du roulant. Pour pas trop me couper les jambes pour la prochaine sortie. Et puis, je vais arriver au bon moment parce qu'il recommence à pleuvoir. Voilà. Ouh. Ça fait un peu quand même. Puis je vais vous dire que vous allez partager. Et la ZR, je commence à recevoir les pièces là, que j'ai commandées dernièrement. Il me manque 2-3 joints, il me manque mon intermédiaire. Bon, je vais pas tout te dire. Je te verrai dans la vidéo, tu la regarderas. Et puis voilà. Tu restes, hein, t'en vas pas trop vite. Si ça t'intéresse, là, je te montre mes chaussures là, et mes pédales. Et puis, tu t'abonnes et tu partages. Salut! Voilà. Il pleut à torrent, il y a du vent, donc j'espère que tu m'entends bien. Voilà ce que j'ai choisi. J'ai pas fini de la laver hein, parce que elles sont trempées. Elles sont belles, bleues. Donc c'est les XC3. XC3, si je dis pas de bêtises, de chez Shimano. C'est bien, je fais de la pub gratos. Tout gratuit avec moi. Voilà le modèle. Tac. Donc elles sont bien. Franchement, bien. Elles sont bien molletonnées. On verra cet été ce que ça donne. Elles sont sans aérer devant. Donc on verra cet été ce que ça donne. Et les pédales. Donc, les pédales. Bon, le garage est ouvert, il y a beaucoup de vent. J'espère que tu m'entends toujours. Donc toujours gratuitement, pub Shimano. Donc la grosse différence par rapport aux pédales que j'avais précédemment, tu les avais vues, hein, il n'y avait pas tout l'ensemble. Il y avait vraiment le clips, enfin la pédale automatique, que là il y a tout l'ensemble comme si c'était une pédale plate. Donc on verra ce que ça donne. Je trouve que c'est bien pratique. Les sessions techniques où on décroche, on raccroche rapidement, où on a ces sessions, on est un peu hésitant, et du coup on peut poser que le pied sans raccrocher sur le clips quoi. On verra ce que ça donne. C'est même quand c'est plein de boue, des fois t'as les chaussures plein de boue, ou même les pédales. Moi je me suis vu des fois ça s'était rempli de boue, t'arrives plus à raccrocher, tu pédales comme tu peux, c'est pas très pratique, que là vraiment t'as tout l'ensemble. Au moins tu peux poser ton pied. La vache. Donc ouais. On verra ce que ça donne.
Bon, maintenant je suis en train de me le cahier, donc je te laisse et je t'invite à partager et je te dis à la prochaine. Salut!